think. Mr. Fresh, c'est un jeune de Kounoun, il grandit à Kounoun. Il vient d'une famille de 5 enfants, il est le troisième. Et il est passionné de musique. Ouais. Et ça fait quelques années qu'il fait dans ça. Et voilà. Mr. Fresh, c'est Mr. Fresh, quoi. Mais au bien, avec tout d'abord, écouter la musique. Écouter la musique, beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique parce que tout le temps. Je suis en train d'écouter de la musique. Si on voit dans une journée 24 heures, j'écoute de la musique. Pratiquement même 14 heures. Donc il y a la musique, il y a le football. Et parce que je fais beaucoup de sport aussi. Bon, il y a aussi parfois la lecture. Ouais, c'est un peu ça. Et les balades aussi et tout, comme tout jeune. Avec les potes, les combis ou quoi et tout. Bon, tout d'abord, il faut savoir que Work Hard, comment est né Work Hard, c'était une période très difficile pour moi parce que déjà ma mère était gravement malade, elle était hospitalisée. Et en ce moment-là, bon, il y avait aussi le pater, il avait des problèmes par-ci par-là, donc c'était vraiment difficile. Et moi-même, j'avais mes problèmes personnels. Donc, j'étais comme ça un jour. Dans ma chambre, comme dans ma cam, comme on dit en francambre, j'étais en train de penser. Et j'avais les écouteurs, c'est d'où le beat de Work Hard passe, comme par hasard. Et tout d'un coup, je commence à improviser des choses par rapport à mon mood, dans ma situation actuelle, mon état d'esprit en ce moment-là. Et c'est d'où les paroles venaient. Ça coulait, vu que j'ai écrit ce titre le même jour. À cet instant-là, donc c'est comme ça qu'est venu Work Hard. Donc Work Hard, c'est ma vie, c'est mon vécu, c'est moi, Work Hard. Rien n'est inventé, rien n'est cruqué. Bon, le message que j'aimerais transmettre, c'est que pour réussir dans la vie, on nous a toujours dit qu'il faut travailler. Il faut travailler, mais il ne suffit pas juste de travailler. Parce que dans Work Hard, je dis qu'il faut Work Hard, mais puis développer. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec organisation, savoir d'où tu vas. Et il faut savoir d'où tu vas, tu travailles avec organisation et discipline. Et tu t'investis. Parce que il ne suffit pas juste de travailler, tu gagnes de l'argent, tu dépenses encore cet argent. Il faut aussi pouvoir investir une part de cet argent. C'est un peu ça. Donc Work Hard, puis développer. Pouvoir atteindre, améliorer sa situation de vie, quoi. C'est un peu ça le message dans Work Hard. Oui, Work Hard, c'est l'extrait de ma mixtape en préparation avec Joski Pro. Ouais, c'est une mixtape de 10 titres. Et la mixtape en question s'intitule Ghetto en puissance. Ouais, donc il y aura beaucoup de surprises vu qu'il y a des featuring. Je navigue sur presque beaucoup de styles. Il y a beaucoup de thèmes abordés. Ça va être que le feu, quoi. Avec beaucoup de surprises, du jamais vu. En fait, j'espère que le public va aussi épouser la chose qui fait. Ghetto en puissance. Bon,
Comme je l'ai dit plus haut, au début de l'interview, moi je suis un Mouna qui vient du ghetto, d'un enfant qui est né dans le ghetto. Ghetto en puissant, juste pour, c'est un acronyme aussi. C'est pour dire, passer un message et vouloir réunir ces gens qui viennent dans le même environnement que moi. Pour dire que nous ne sommes pas les derniers. Nous ne sommes pas les derniers. Il faut se battre, batailler pour atteindre nos objectifs, réaliser nos rêves. Puissance, c'est déjà la rage. C'est la rage. Parce qu'il y a dans un de mes sons, je dis que le bris est mon seul ennemi. Il n'y a que le bris que je cherche avec rage. Donc c'est un peu ça. Ghetto en puissance, c'est la réussite, le travail, tout ça, ça englobe ça. La bataille, tout. Parce que nous sommes aussi des débrouillards. On fait avec ce qu'on a. C'est un peu ça. Donc... Après la sortie de Wogat, avec l'équipe, on a décidé de faire sortir encore un extrait ou deux. Un extrait ou deux, clippé, voire balancer une fois la mixtape pour que les gens puissent y amour le cri vocal. Bon, tout d'abord, je suis dans le label Kansas City Music. Kansas City Music sur Facebook, Twitter, Instagram. Oui, vous pouvez nous retrouver là, nous écrire sur notre page Facebook. Ou alors contacter le 698-99-2319. Ça, c'est le numéro du manager. C'est un peu ça. Et il faut aussi, sans oublier que Mister Fresh est pas aussi officiel sur Facebook. Ouais, donc tapez juste Mister Fresh officiel, vous vous abonnez et vous aurez mes actualités. C'est un peu ça. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui se prépare.